Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de mon frérot Nathan, que vous avez déjà aperçu dans une vidéo quand il y a eu le problème avec le T-Max, etc. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans les vidéos. Si vous voulez le rajouter sur Snapchat, son snap s'affiche en bas, Natouné. Aujourd'hui Nathan est là tout simplement parce qu'il a trouvé une annonce sur Internet, une annonce de Airbnb. Cette annonce, il y avait quoi dessus? Très mal noté. Il était très mal noté, donc ça de base sur Airbnb c'est assez bizarre. Et au final j'ai regardé les commentaires et il s'aperçoit qu'il y a des caméras. Donc j'ai contacté Anto pour qu'on aille vérifier ça. A voir si c'est vrai ou pas quoi, on va surtout voir ça. Dans les commentaires ça disait attention propriétaire. Attention, propriétaire à joyeur, des points rouges qui s'allumaient, des choses comme ça, des petits angles noirs. Ok, voilà. On a déjà loué la chambre, on va y aller avec Nathan, on a les clés. Puis on va fouiller l'appartement pour voir si on trouve une caméra. Si on trouve une caméra, je vous assure que le propriétaire a passé un sale quart d'heure. On va dans la résidence privée avec Nathan, on va voir exactement où c'est et puis on va vérifier ça. Hein, allez, c'est parti les gars. Donc là les gars, on va direction le bâtiment concerné. Je sais pas lequel est-ce. C'est le bâtiment B3. Alors le bâtiment B3 il est où? Là c'est le premier. C'est celui-là, tu es sûr? Ok. J'ai les clés mais il y a un badge. Sur la clé il y a un bip mais je sais pas s'il marche. C'est pas ça. On va attendre que quelqu'un sorte ou quoi? Non, on va attendre un peu. Parce que le code, je l'ai pas encore. Donc sinon, tu sais quoi? Je vais essayer de l'appeler. Non, mais sinon, viens, on essaie de la forcer la porte et puis on rentre. Hein. Attends. Vas-y, viens, mets des gros. Vas-y. Hop, allez, impeccable. Vas-y, viens le DV. Ça commence bien parce qu'on n'avait pas le badge pour entrer. Première caméra. L'ascenseur, il est. Allez, go. Bon, les gars, je sais vraiment pas comment ça va se passer. Je sais pas s'il y a vraiment des caméras. Peut-être que depuis que le mec l'a vu les commentaires, il les a levés aussi, donc peut-être qu'on va chercher pour rien. C'est vrai, il n'a pas regardé. Ouais, en vrai, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui louent juste pour le pognon. Et... Après, tu sais, il y a des mecs, ils ont tellement peur de laisser leur bien qu'ils mettent des caméras partout. Après, tu as les pervers aussi qui veulent voir les. C'est l'intimité, tu loues pour ça, tu vois, sinon. Quel étage, tu m'as dit, quatrième? Quatrième, c'est ça. Allez, vas-y, viens. Là, à droite, là? Dernière porte, et après à droite ou à gauche? Et après à gauche. T'es sûr de toi, gros? Ouais, dernière porte. Que je rentre pas chez les gens comme ça. Alors. Déjà, c'est la bonne porte. Ouais, c'est la bonne porte. Allez. Déjà, ça pue. J'aime pas l'odeur. Ah, ça sent le chat, frère. Ça a la litière pour chat. Bon. Première chose. Déjà, il n'est pas du tout. C'est pas propre. Il n'est pas comme sur l'annonce, c'est sale, ça pue, il n'y a pas de télé, on ne peut pas y aller, c'est fermé à clé, je sais pas pourquoi, ça doit être une pièce, je sais pas, je sais rien. Ça c'est la cuisine ça, ok, super. Donc la vaisselle, voilà, si tu veux boire, tu prends le coin le plus classe de l'appartement, c'est celui-là. Voilà les gars, table de bain. Ok, elle est jolie, ça va. Bon, mais il y a du déo et du gel, les gars. Super. Ça, c'est le chauffe-eau. Hop, mets au-dessus ce qu'il y a. Ça, à mon avis, c'était les caméras qu'ils devaient mettre dans l'appart, quelque part. Et quand il avait les commentaires, ils ont peut-être levé et les a mis là. On voit que ça. C'est peut-être qu'il est caché avec un autre truc, tu vois. Rien à signaler, mis à part ce que c'est pourri. On est venu ici pour voir des caméras. Donc, regardez s'il n'y a pas des caméras. Bon, il faut déjà regarder en premier. Regarde les infiltrations qu'il y a en haut et tout. Regarde. C'est dégueulasse. Faut regarder s'il n'y a pas des caméras quelque part, les gars. La salle de bain, c'est le truc le plus, qui craint le plus, tu vois ce que je veux te dire? C'est quoi ça? Ça, c'est un truc d'aération. Non, y a rien. En regardant en haut, en hauteur, là, même dans la douche, même. Le filtre à la rigueur, peut-être pas là, non? Putain, regarde, regarde le rideau de douche, regarde le rideau de douche, regardez. Frère. Ça, c'est un truc de chat, ça. C'est le chat. Incroyable. Hop, regarde. T'as dit pour le filet. Regarde. Tu vois? Tu vois quelque chose de suspect toi? Et je suis pas trouvé. Toi. Ouais. Il y a un truc qui est trouvé. Regarde, attends. C'est quoi, j'aime pas? Regarde. Non. Alors regarde comment elle a été positionnée. Elle était comme ça, elle avait mis le chiffon par-dessus. D'accord, le chiffon était là. Donc ça, la caméra est là. Le trou de l'œil, regardez. Là. Direction. La douche. Donc toi, t'arrives, tu prends ta douche. Tu rentres, tu te mets à poil devant la douche, parce que même tu te mets à poil avant de rentrer. Sure. Donc ça veut dire qu'il te voit dans tous les cas rentrer. Même si tu fermes le rideau après, il va te voir rentrer à poil, tu te déshabilles pas dans la douche. Donc il te voit à poil le mec. Ouais, ok. Bah écoute, on va l'appeler. Appelle le propriétaire les gars. Oui, bonjour monsieur, je suis le locataire. Airbnb, vous savez?
Ben, il se passe qu'il y a un petit problème dans l'appartement, on n'a pas d'électricité. Je sais pas, on a fait regarder les disjoncteurs et tout, il y a tout qui a enclenché, mais on n'a pas d'électricité. Et si on n'a pas d'électricité, il va falloir nous rembourser. Je comprends bien. Bon, ben, écoutez, on vous attend alors. Ouais, elle arrive d'ici 10 minutes. Allez, ça va. Allez, ça va, impeccable. Merci. Merci, au revoir. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'il vienne. Le mec, il veut pas nous rembourser. Il va vouloir d'abord trouver une solution pour remettre l'électricité. Il y a l'électricité. Il vient vite en plus. Tu vas venir, t'inquiète. Bon, on l'attend et on voit ce qu'on fait. Attends, on va venir. Bonjour. 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 Bah, finalement, on a réussi à mettre... la lumière, mais on... là j'ai un ami à moi qui est électricien, il est venu nous dépanner. Bah, parce que je trouve que l'état il est déplorable de l'appartement et on va le mettre sur internet parce que je suis désolé mais je sais pas ce que vous louez, il y a des croquettes pour chats dans nos coins ici, il y a des poubelles là-bas. Mais moi on fait pas le ménage, on fait jamais le ménage. Elle est où la femme de ménage? Elle est pas venue. Et vous louez dans des... C'est pas aux gens à faire le ménage. Hein. Ça, les tâches par terre, là, il y a du raisin, là, écrasé. Il y a du raisin écrasé, c'est le bordel. Il n'y a pas de télé, mais je m'en fous du prix. Il y a une pièce là-bas, ça doit être une chambre, on peut même pas y accéder. On peut même pas accéder à la chambre. Bon, ah, je voulais vous montrer un truc aussi. Le seul truc de bien, c'est la douche, venez voir. Alors la douche, franchement, je sais pas quoi. Alors je vais vous expliquer, la douche, elle est très propre. Mais on a trouvé, très propre, c'est un grand mot, on a trouvé un petit problème. C'est quoi? Donc le problème c'est sur les... On a des produits qui ne touchent pas trop là, c'est avec Marie on ménage. Eh ben... Quand on ménage, j'aime pas, il faut bien qu'on fasse le ménage. Et j'ai voulu déboucher... Ah ouais, voilà, attends, surtout pas. C'est parce qu'il est toxique. Ouais, c'est ça, c'est la femme de ménage, elle a des mains. D'accord. Je peux... Attends, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ça? Explique-moi, c'est quoi ça? C'est rien. C'est quoi? C'est rien. Appelle. Non, c'est rien. C'est rien. C'est rien. D'accord, appelle les flics. On va voir, c'est pas toi. On va voir. Parce que selon ce qu'il y a dedans, on va voir les images qu'il y a. Et puis depuis quand? Et puis si elles sont de là depuis longtemps, c'est que c'est toi qui les as mises. Non. Je te mettrai un coup de tête sinon. Il y a des anciens locataires. Ouais, les anciens locataires, ils laissent des GoPro ici. Qui c'est qui a les clés? C'est toi, il n'y a que toi qui a les clés. Et alors? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul... Je sais pas, peut-être des acteurs pour nous, j'en sais, ils sont venus, ils ont fait une petite noisie à la fin du film. C'est bon, c'est à toi ou c'est pas à toi? Oui, c'est à moi. Qu'est-ce que tu fais avec ça, je peux savoir? Allez, vas-y, dans la douche en plus. Allez. Tiens, 5 secondes avant que je te mette un coup de pied que je t'envoie dans la douche. Vas-y, je te jure, je vais te le mettre. Des problèmes de quoi? Psychologique. Ah, c'est la nouvelle mode ça. Dès qu'il y a un mec. C'est facile. Dès qu'il y a un mec, il fait des trucs qu'il faut pas, tu as des problèmes psychologiques? Oui. D'accord. Tu me diras, ça se voit. Hein. C'est pas des problèmes. On a une nouvelle surprise pour toi. On l'a pas dit aussi aux gens, mais. Déjà, tu vas m'expliquer pourquoi tu fais ça. Dis-moi, vas-y, explique-moi, je veux savoir. Non, pourquoi tu fais ça? Je m'en fous de tes problèmes psychologiques, j'en ai rien à foutre, je suis pas aide sociale, je suis pas psychologue. Pourquoi tu fais ça? Les gens à poil. Les gens à poil, hommes, femmes? Ouais, d'accord. Ok, et tu fais ça depuis combien de temps? Je crois depuis que j'ai acheté ici. D'accord, et tu vois pas les avis sur Google? Enfin sur Airbnb, tu vois pas? Non, je fais pas. Attention aux avis. C'est ton argent en fait. Et t'as jamais de problème? Si je lis, c'est pour l'argent. Et t'as jamais eu de problème? Non. Jamais? Non. Ok, ben, je crois que tu vas en avoir. Fais rentrer le frérot, s'il te plaît, là-bas. Ouais. Vas-y. Ok, c'est pas grave. Est-ce que tu le reconnais, lui? Tu le reconnais? Non, c'est qui? Qui? Donc, qui vous êtes? Présentez-vous, dites-lui qui vous êtes. Alors, moi, j'ai loué ici, un jour avec ma femme, et je suspecte que vous ayez filmé. Vous suspectez? Aujourd'hui, vous en avez la preuve, il y avait ça dans la salle de bain. Ouais, mais c'est pas vrai. Attends. Arrêtez. Tu veux pas que je t'écrase la tête? Je veux pas que je t'écrase la tête.
T'as pas la vidéo de sa femme? T'as pas la vidéo de sa femme? Et la caméra, je me dis, tout à l'heure, il m'a dit, elle est là depuis le début. Il est venu louer, donc ça veut dire que tu l'as filmé à lui. Ouais, ça va, mais c'est un petit peu loup quand même. J'ai jamais vu. J'ai trop de cul, j'ai. J'ai jamais vu, c'est bon. Tu peux me. Partir, s'il te plaît. Ouais, personne qui va partir ici. C'est moi, je vais te faire voler. Vas-y, moi, je te laisse seul avec lui, si tu veux. Ouais, pas mal, non. Tu filmes la tête, en plus, tu fais le voyou. J'ai malade, j'ai malade. Enfin, j'ai malade, mais arrête de parler. Qu'est-ce que tu fais avec les vidéos? Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai malade, j'ai malade. J'ai malade, j'ai malade. Je te touche la nuit. Non, ça me regarde pas. On te dit qu'on va appeler les flics, tu continues à faire des menaces, t'es con ou t'es débile? Bah, essaye de m'intimider là. Va dehors. Moi, je vais t'intimider pour de bon, tu vas voir ce que je vais te faire. Moi, je vais t'intimider. Non, attends, moi, je te défends là. Je t'arrache la tête. Arrête de faire le marque, hein. Tu continues à faire le mariole, y'a pas de soucis. Viens. Tu veux pas qu'on appelle les flics? Non. Allez, viens avec moi, viens. Viens. Non, viens, vas-y, rentre. Oui, non, mais j'ai une idée depuis le début. Donc voilà, maintenant, je t'explique comment ça va se passer. Soit on appelle les flics et cette fois on les appelle pour de bon, soit tu rentres là-dedans et puis tu fermes. Et puis on ferme. Non, laisse-moi. Il a même pas les clés chez lui. Ben non. KGF. C'est bon? Voilà, c'est ce qu'on va faire, regarde. Ah oui, complètement. Rentre. Je sais pas si je rentre là-dedans, c'est quoi ces bêtises là? Allez, ferme. Voilà. Allez. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous fermez pas, ouais. Hein? Vous avez pas fait fermer là. Là, ça vous bouge pas. Voilà. Oui, non, mais c'est bon. Voilà. Et voilà. Si vous voulez récupérer vos images, vous appelez la police. Et vous les attendez ici. Ouais. Hein? Lui, il pourra pas aller loin. T'as compris, trou du cul? Nous, quand on va partir, là maintenant, vous allez appeler la police, ils vont venir ici, vous avez l'adresse, vous avez tout. Si vous avez envie de lui mettre 2-3 coups de pied dans la bouche, eh oui. Moi, tant que c'est pas fait devant la caméra, c'est plus mon problème. Moi, j'ai fait mon taf aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais m'en occuper. Voilà, on s'en va, nous, et on vous laisse avec la police. Bon, merci en tout cas. La police, c'est un accident, pas vive la police. Ah ben, j'ai menti. Ah, bon, nous, on y va, Nathan. Mehdi, je suis au courant, on s'appelle. Ouais. Allez. Problème, frérot. Ouais, c'est bon. Bah voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter Nathan sur Snapchat. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et voilà, donc quand vous allez dans les hôtels, quand vous prenez une chambre, un Airbnb, etc., un appartement, regardez toujours qu'il n'y ait pas des caméras parce que des fois, elles sont beaucoup mieux dissimulées que ça. Donc voilà les gars, on se retrouve mercredi prochain à 18h et faites attention quand vous louez un appartement sur Internet. C'était Kamoff et on se dit à bientôt. Ciao.